You funded my temple. Ah, aïe, tu m'as fait mal. Et là, arrête, bon Dieu, je ne blague pas. Je n'ai jamais su mesurer tes effets. Un peu, tu peux parler, toi, tiens. Comment? Tu sais bien ce que je veux dire. Demandons. Avec toi, on ne sait jamais ce que tu veux dire. Un jour, c'est blanc, un jour, c'est noir, entre les deux, c'est gris. Tu vois que je te dis ce que ça veut dire? Eh bien, je vais te dire ce que ça veut dire. Voyons un peu. Quand je rentre à 6h30 du soir avec les commissions, la cuisine est dans un désordre incroyable. La baignoire est bouchée. Il n'y a pas de baignoire. Le lavabo est bouché. C'est un évier. Eh bien, tous les éviers sont bouchés. À croire que tes petites occupations te prennent tout ton temps. Ben oui, figure-toi, je n'ai même pas le temps de sortir de cet appartement. Mais tu ne veux jamais sortir d'ici. Lorsque je suis hors de Paris, tu te fais livrer. Que veux-tu? Je suis une femme d'intérieur. En robe de soie pimpante et pomponnée. Je déteste les pieds noirs. Les pieds noirs. Je te fais la cuisine. Tu en fais toujours trop. Ce n'est pas de ma faute, je ne mange presque pas. Tu ne manges presque pas pendant les repas. Mais tu grignotes le reste du temps. Et pour provoquer, je fais le plein des commissions en comptant sur ce qu'il y a encore à la maison. Et quand je rentre, plus de gruyère. Si tu fais allusion au gruyère d'hier soir, ça m'étonnerait que je l'ai mangé, il était dégueulasse. Non, c'est vrai. Tout est vrai. Qu'est-ce qui se crève ici, hein, pendant que tu parades? Les petites occupations, ça nous aide pas mal dans les mauvais moments. Parce que si j'avais fait comme toi, je suis lucide, moi. Je ne cherche pas la gloire dans les contre-emplois. Comment dis-tu? Je suis lucide, j'ai décroché à temps. Alors, c'est ce que tu pensais. Pendant toutes ces années, tu me mentais. Tu t'amusais de moi. Tu me méprisais, au fond. Et c'est pour ça que tu ne venais jamais. Toutes ces années, tu ne sais pas ce qu'a été ma vie. Oh non, tu ne sais pas. Tu ne t'en es jamais inquiété du reste. Tout ce qui se passe à l'extérieur ne t'intéresse pas. Tu vis dans ta roulotte. Les transactions sordides, la poubelle à descendre, les arrangements avec la propriétaire, les allers-retours au monde-piété, et l'angoisse de te laisser seule. Aucune liberté. Si je découche, tu fais la gueule. Mais si j'amenais quelqu'un ici, quelle pitrerie. Et pendant ce temps-là, les vrais rôles, je les refuse. Je n'aurais pas le cran, moi, d'aller me faire applaudir pendant que tu te morfonds devant ta télévision, recroquevillé dans ta rancœur, avec ta jalousie et ton envie. Car la voilà la raison, la voilà la vraie raison qui t'empêche de venir me voir. Tu en crèves de me savoir encore sur une scène. Lucide, toi. Oh, mais tu es paumée, ma fille. Si tu as abandonné, c'est que tu ne pouvais plus tenir un acte. C'est qu'au cinéma, tu ne pouvais plus jouer que de dos et qu'à la télé, la concurrence est trop grande pour les soubrettes sur le retour. Sans parler de tes velléités de recyclage, dans la production, les agences de comédiens, le professorat d'art dramatique, avec ta diction. Et qui savait de garance à tout ça? Qui arrondissait les angles? Bafouille. Tu bafouilles, tu tiens pas la distance. C'est ta faute aussi, tu m'as pas assez poussée. Et puis je suis fatiguée, j'ai ma générale ce soir. Le début c'était comment? Ah, la gifle, tu t'es surpassée. La prochaine fois, je te la rends. Enfin, c'était pas mal. Mais toujours tes intervalles et les E muets. Par contre, tes finales ne sont plus en l'air. Ciel, si ceci se fait, ce soit sans succès. Espèce de salope! Tu m'as parlé? Chut! Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh non, le général, j'ai trop le trac. Oh ben c'est chaque fois la même chose, tu viens jamais. Ça ne m'amuse plus. Ton maquillage? Heureusement que tu es là, ma chérie. Madame Durand, vous m'avez fait peur. Bonjour, ça allait bien, ça allait bien. Oui, je me dis, oui, ça me dirait avec plaisir, tu verras plus. Ah,
Pour mes 10 ans. C'est pas de la très belle qualité, d'accord. C'est pour le souvenir. Vous comprenez, Madame Hélène? Un très beau souvenir. C'était à la campagne. Tout le village était là, naturellement. J'étais la plus belle. Il n'y avait pas beaucoup d'hommes jeunes, c'était la guerre. Mon grand-père avait réussi à organiser un vrai petit banquet, avec de la vraie musique. Enfin, des valses viennoises, vous savez? Et je n'ai plus redansé depuis jusqu'à mon mariage. Juste après la libération, il y avait encore des restrictions. Et vous ne savez pas ce qu'ils ont trouvé? Ils ont réussi à transformer ma robe de communion en robe de mariée. C'était tout de même un peu drôle. Mon mari trouvait ça charmant. Il était beau. Il est beau. On lui a proposé plusieurs fois de faire du cinéma. Il n'a jamais voulu. Il est trop attaché à nous. Et puis, il a son métier qui lui prend tout son temps. Il aime trop les femmes, vous savez. Avec moi, déjà, il n'avait pas attendu la cérémonie. Mais tout ça, Madame Hélène, c'est le passé. À bientôt. J'oubliais. Les mesures de la petite. Merci. Ne vous dérangez pas. Ce n'est rien, c'est Madame Durand. Oh, elle m'avait peur.
pour moi? Ah, si. Non. Rien sur j'ai. Mais... Ah. C'est la fortune. Et ça s'arrose. Tu en veux? Qu'est-ce que c'est que c'est que ça? Tu veux voir? Je vais entendre. Mademoiselle. Tout un passé. Le tien? Mademoiselle, je ne m'en lasserai jamais. Mademoiselle, nous avons le plaisir de vous remettre au 6 juin le chèque numéro 094-1270 tiré sur la BMC d'un montant de francs, un point tiré 20. En effet, notre candidat au jeu des 1000 francs en Angoulême, monsieur Joachim Dubilly, et son renfort. Madame Claude Michel-Odéon, n'ont pas su répondre à la question que vous proposiez, quelle était l'actrice principale de Et Dieu créa la femme? Tu veux vraiment poser cette question? J'avais un timbre à perdre. Et ma vieille. Mademoiselle, s'il vous plaît. Bon, tu sais ce que Jeanne Marcaine a écrit à Jules Berry en le quittant? Chère série. Elle avait tort. On ne rit jamais assez. Et on ne boit jamais trop. La vie est si courte. Je ne relève plus les yeux comme un maintenant. Ta-da-da, da-da-da. Encore le colonel? Mais il n'a jamais été colonel. Ce n'était pas un colonel, mais un brave à la pommade, brûlé par les soleils d'Afrique, les mers et le vent des tropiques. Ce n'était pas un colonel, il était grand et beau et fort, sur chaque épaule un galon, gagné au sud, perdu au nord. Un cabochard au cœur doré, et dont les yeux au gris perçant laissaient les femmes s'enliser dans des amours au goût de sang. Ce n'était pas un colonel, sur sa couchette de soudard, toutes les races étaient passées, de la plus blonde à la plus noire, et toutes criaient « Assez !» Quand dans ses bras, sans tatouage, il les broyait de son corps fou. Ce n'était pas un colonel, il avait d'épais sourcils roux, et m'a laissé un soir de rage parmi les filles à matelot, d'un port lointain largué à main. Il reviendra un beau matin. Ce n'était pas un colonel, c'était mon espérance à moi. Ah bon? Recalé. Cocteau? Ouais. Ah, les mecs, toujours des promesses. De toute façon, avec ce chichois qui montait la pièce. Ah, en revanche, on va enfin diffuser par dramatique. Bah, c'est quand même mieux que tes pubs. Oui, mais c'est moins bien payé. T'es sûr que tu bois pas un peu trop, toi? Il n'est que 11h. Tiens, j'ai envie d'appeler Madame Durand. Ah, c'est pas pressé, elle est pas à la mort. Il faut jamais dire des choses comme ça. Je devrais plus. Allez, j'y vais. Oui, oui, bien sûr. Où allons-nous? Oh, ici, ce sera pas long. J'ai une amie, enfin, une camarade, qui a tendance à boire. Ah, ben, vous êtes drôle, vous, alors. Non, j'ai le hockey. Ah bon? Ben alors, attendez, penchez-vous, j'ai un truc. Là. Ça n'est guère efficace, votre truc. Ah, non, que je suis bête. Hein? Non, attendez, c'est pour le sel randonnée. Ça marche?
Bon, 9 fois sur 10, sauf pour les homophiles. Hémophiles. Hémophiles. Bon. Venez vous étendre par là. Là, par terre. Vous voulez pas de votre hockey? Oui. Je vais pas m'amuser à vous faire peur, alors étendez-vous là. Voilà. Alors, mettez vos jambes là, voilà. Et votre... Oui, en porte-à-faux sur la marche, voilà. Et maintenant, parlons sérieusement. Cette amie, enfin cette relation, boit toujours la même chose et régulièrement. C'est inquiétant, n'est-ce pas? Quel risque court-elle? Depuis combien de temps? Depuis 8 ans. Oh, c'est grave, il faut me l'amener tout de suite. Ici, vous n'y pensez pas, ne sort jamais. On ne peut pas laisser quelqu'un en pareil danger. Dites-moi son nom. Ah, ça, jamais de la vie. Si vous exagérez, ce n'est pas si grave. Mais si, mais si. Tiens, c'est passé, vous voyez. Quoi? Votre hoquet. Oh. Allez, relevez-vous, vous êtes ridicule. Alors, c'est grave? Je ne vous dirai rien. Bon, mais je crois qu'il faut que je vous avoue la vérité. C'est vous? Moi? Oh non. Non, seulement je vous ai menti, stupidement. Tiens, tiens, tiens. Vous savez que je suis comédienne. On dit ça, on dit ça. J'ai un rôle à tenir, un rôle d'alcoolique, et je ne sais pas comment l'attraper. Ah, si c'est un conseil technique. Ah oui, un conseil très précis. Je ne veux pas improviser en cette matière. À mon avis, lorsque l'éthylisme est avancé, l'intoxication s'est propagée à tous les niveaux. Les conséquences peuvent être diverses. La plus fréquente est la cirrhose. Plus répandue chez l'homme que chez la femme, 3 pour 1. Dans le cas de la cirrhose de la Hennec, sa cause a été déterminée par une combinaison entre la carence alimentaire et l'alcool. Il est à noter que la carence des protides peut par elle-même provoquer la cirrhose. La cirrhose reste longtemps asymptomatique, puis on décèle des ballonnements, constipation, diarrhée. Ce sont des réactions physiologiques qui, pour en venir à la question qui vous intéresse, peuvent être rendues par des gestes de douleur, crispation, contraction et un maquillage adapté. S'il s'agit d'un simple alcoolisme chronique, votre rôle s'enrichit. Troubles nerveux et mentaux, tendances névrotiques, psychotiques, contact affectif trop facile, labilité affective, manque de constance et euphorie. Souvent, la jalousie augmente et la libido diminue. La vue baisse. Mais le cas le plus spectaculaire, celui que je vous souhaite, c'est le délirium tremens. C'est un état caractérisé de confusion mentale où peuvent se produire des hallucinations qui intéressent tous les sens. Par exemple, à la tombée de la nuit, on peut apercevoir des images bizarres, terrifiantes, des animaux étranges, zoopsies. On devient alors la proie, en tout cas un terrain propice, au délire onirique avec agitation, au délire d'action, Régis. Le visage alors change, ainsi que l'attitude. Faciès vulteux, les yeux hagards ou fixes, changement du visage, contraction. Il y a aussi des tremblements, mais il ne faut les utiliser qu'avec modération. En revanche, on peut se blesser par inadvertance et sans sentir de douleur, grâce à une insensibilité qui se produit pendant la crise. Mais ce genre de crise aussi aiguë ne se reproduit que rarement, très rarement. À la deuxième, presque toujours, c'est la mort. Pour ça, ceux qui jouent la comédie. Eh bien, voilà, mon petit.
Non, c'est vrai. Tout est vrai. Arrête. Et ne m'interromps pas. Ne m'interromps pas. C'est nul. Tu crois? Eh ben, lis-le, toi. Je l'ai fait pour toi. C'est à toi de le lire. T'as raison, c'est nul. J'imagine quand même pas que tu fais riche. Ça va. Entrez ! La porte n'est jamais fermée. Vous auriez pu être à poil. Vous savez très bien que ça ne m'arrive jamais. Ah bon ? Je ne vois pas de changement. Moi non plus. Alors, c'était pas la peine de faire tout ce tintamarre. La dernière fois, vous aviez été plus discrète. Elle était partie combien de temps? 8 jours. Et la fois d'avant? Je sais plus. 3, 4. Oh, mais n'en tirez pas de conclusion. Je l'ai mise à la porte définitivement. Allô? Ah, bonjour, monsieur. Vous voulez parler à ma femme? Je suis désolé, elle n'est plus là, nous divorcerons pas. Si vous désirez être témoin, vous aurez toujours eu ça. Oh non, attends, vous pouvez très bien lui écrire, vous savez, ça suivra, vous ne serez pas le seul. Enfin, mais c'est toujours une consolation comme une autre, on fait ce qu'on peut, n'est-ce pas? Ouais, moi je vous comprends très bien. Allez, au revoir, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment? Qu'est-ce qu'on fait? Toujours dans les brutes? Pas de demi-mesure. Mmh. Vous en voulez un peu pour mettre dans une de ces chaussures? Impossible, elle les a toutes emmenées. Les 22. 11 paires? Non, 22! 22 paires! Elle en achetait une toutes les semaines. Le placard en était plein. Tout son fric passait là-dedans, bien aussi d'ailleurs. C'était une histoire assez compliquée. Pourtant, vous savez, ma chère madame Hélène, je ne suis pas un fétichiste. En revanche, elle a laissé ses bas, ils sont sur l'aspirateur. Vous les trouvez, si ça vous intéresse, vous pouvez très bien les prendre. J'ai vu, merci. Ça pourra toujours servir à quelqu'un d'autre? Oh, pas à moi. Bon, vous voulez que je me mette? Vous voudrez, mais pas dans mes chambres. Je ne me le permettrai pas. Ça manque de musique ici. Hein? C'est vrai. Oui, oui, merci. Oui, alors, oui, ah oui, c'est toi, bon. Non, non, elle est partie, hein, définitive. Non, qu'est-ce que tu veux, je sais pas, moi. Un refoulé de la petite bourgeoisie, la sécurité du fonctionnariat, lamentable. Puis avec un type comme ça, un instituteur, et de la banlieue rouge encore, tu te rends compte. Ah non, mais tu sais pas tout. Un jour, elle me téléphone, elle me dit, est-ce que je peux rentrer? Je dis oui. C'est ce qu'elle me répond? Je peux pas, on a retenu la chambre, alors après ça. Ah, tu l'as vu? Quand? Quoi? Elle voulait que tu m'emmènes chez un médecin pour prendre des euphorisants. Ouais, je sais, je sais. On s'aimait, on s'aimait. C'est comme dit Humphrey Bogart dans un film à une fille,
Hein, qui a été plaqué, c'est une belle histoire d'amour, mais elle finit mal. Vous connaissez une véritable et belle histoire d'amour qui finisse bien? Bon, allez, sayo. Vous savez parler aux femmes. C'était mon frère, c'était mon frère. Vous avez un frère? Trois, mais ce sont de faux frères. Ça vous réussit que votre femme soit partie? Ouais. Vous n'aimez pas beaucoup dans l'immeuble? Dans le quartier, c'est pareil. Je sais pas, je ne sors jamais. Toujours dans votre tour à tisser votre toile. Pour attraper qui? Je sais pas, des souvenirs. J'en ai plus que vous. Ça, je ne vous fais pas dire. Salaud. Faites penser à un type avec qui j'ai joué. Il était persuadé qu'il pouvait bien jouer qu'en étant ivre. Alors il se saoulait. Tous les jours, une heure avant. C'était formidable. Une aisance prodigieuse. Personne ne s'apercevait de rien. Et tout de suite après les saluts, il allait s'écrouler dans sa loge en vomissant. Que voulez-vous? Il n'avait jamais pu supporter l'alcool. Champagne? Cognac? Quand j'irai mieux, j'écrirai un livre avec vos souvenirs. J'aurai vu voir, madame Hélène. Ça n'a même pas à personne. Vous savez, on a raconté que les comédiens détestaient le théâtre. Je pense que c'est vrai. Parce que si ce qui se passe sur scène est mauvais, ils pensent à ce qu'ils feraient eux à leur place. Et puis si c'est bon, ça les emmerde de ne pas être avec. Finalement, c'est triste et con d'être comédien. Ah, oh, c'est commode. Ouais, je vais le dire. Allô? Ah, c'est toi, Michel, alors. Tu l'as vu? Non? Elle monte non plus? Ah bon. Non, moi, non, ça s'arrange pas tellement, tu sais. Oui. Non. Mais papa, t'es pas longue, tu es sûr? Lamentable. Oui, tu crois que ça peut s'arranger, c'est vrai, mais non, 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 non. Non, 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 non. Pris les deux côtés, du plomb A et deux L, tu comprends? Oui. C'est un téléphone d'Angleterre, alors, hein. Oh, bon. Oui. Non, 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 c'est dur, et puis... Je crois qu'on peut être avec deux femmes différentes. Tout peut s'arranger, puis on se cogne la tête. Tu sais. Mais non, je ne suis pas de la famille. Pas de canon. Ah non, mais ici, ça a été très vite, mais très rapide. Tu sais, avant de partir, elle a eu un petit coup de téléphone avec maman. Elle s'est débrouillée pour faire place. Ah, et puis merde, mon Dieu. On se retrouve toujours dans la vie. Et puis maman, si ça va pas, je vends tout, j'emprunte, je pars en Californie. Je m'étonne pas qu'il faudra, mais je la retrouve. Attends. Je vais mettre du fric là-dedans, un divorce à la fin. Et puis, merde, je te fais chier avec les conneries. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est l'année du rat, la pire! Tu peux pas savoir le nombre de couples qui ont capoté ces temps-ci, c'est incroyable. Mais ces salopes ne pensent qu'à leur plaisir. Mais non! Mais tu comprends pas qu'elles te fantasment, mon vieux! La femme objet, tiens, mon œil, c'est le mec l'objet, pas un peu! Ouais? Oui, si tu veux, tiens, ce soir. D'accord. Bon, écoute, disons vers 20h. Hein? Non, 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 pas la coupole. Au flore. D'accord. Ciao. Ton maquillage cool. Faites vite un raccord avant le prochain coup de fil. Est-ce que vous cherchez encore à dire? Qu'est-ce que vous voulez me faire croire? Croyez que vous êtes le premier à qui ça arrive? Vous, cynique? Mais vous êtes un gamin. Deux femmes? Bel échappatoire, de façon de fuir, oui. Et ça se veut libérer. Puritain, va. Vous croyez avoir tout inventé, passion sans amour, amour sans passion. Son égoïsme pour votre désarroi, votre charité pour sa solitude. C'est tout ce que vous avez trouvé à dire. Hein. C'est un bon petit discours humaniste pour soulager votre bonne conscience. Merci pour le mot. Je le cherchais, bonne conscience, la voilà, votre bonne conscience. Vous êtes seul, vous sentez le vide, vous avez peur la nuit en vous réveillant. Votre petit désordre, c'est un bel alibi, bien organisé, tout en respectant le rêve. C'est plus facile, le rêve. Ça dissimule les ambitions, mais n'est pas clown qui veut. Il faut de l'expérience pour mentir, sinon ça ne passe pas. Regardez-vous, on dirait que vous avez avalé une arête. Vous vous servez de la pitié comme un pas et vous vous plaignez de ne trouver que des mères. Il serait temps de le couper, mon vieux, votre cordon ombilical.
Et avec les dents, comme les sauvages. Qu'est-ce que vous lui reprochez à votre femme d'être partie au mauvais moment? Mais tout cela a un sens, monsieur. Pourquoi vous ne vous dites jamais « Elle m'a plaqué, je suis cocu ». Vous avez peur des banalités. Mais vous n'êtes qu'une banalité, et des plus ordinaires. Changez de chemise, et peignez-vous tout seul pour une fois. Des minus comme vous, il y en a plein les bistrots. À revendiquer, à pleurnicher. Dérisoire, qu'est-ce que vous offrez aux femmes? De petites cérémonies. Les hommes, en somme, fredonnent leur vie. Les hommes se donnent toujours à demi. Ils pleurent leur leurre de photogénie. Sastique. Mastique. Dans les ciels de l'île, les hommes ne daignent mais plaignent leur amour meurtri. Les hommes frissonnent, grisonnent la peur. Ils mâchent leur moindre dépit, s'animent, s'abîment pour un petit. Oui. Les hommes, en somme, fredonnent. Les hommes se donnent toujours à demi. Il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous avez demandé. Tu pleures? Non, non, je renifle. C'est l'encaustique. Mais c'est vrai. Eh bien, moi, tu sais pas ce qui m'est arrivé? Un mec. Mais non. Une femme. Pas l'horreur. Un couple. Tiens, ça m'est jamais arrivé. Non, mieux que ça. Mieux. Chabrol. Non. Demi. Hélas. Bresson, et tu ne lui as pas dit que tu étais comédienne? Mais non, c'est pas du cinéma. Ça s'est passé dans le métro. Dans le métro? Tu as rencontré Julien? Bon, qu'est-ce qu'il ferait dans le métro? Oui, c'est vrai. Tiens, maintenant tu comprends. Ne me dis pas quand t'as reconnu. Oh, la garce. Arrête de jouer, je suis fatiguée. Mais je ne joue pas, il m'est réellement arrivé quelque chose. Alors raconte. Mais c'est inouï, c'est fantastique, c'est grandiose, c'est sublime. C'est quoi? C'est un miracle, c'est ça. Ben, c'est de l'argent. Je l'ai trouvé dans le métro. Dans le métro? À Barbès-Rochechouart. À Barbès-Rochechouart? À 6h. À Barbès, à 6h, tu as raison, c'est un miracle. J'arrive pas à y croire. Je n'aurais jamais cru qu'un truc pareil pourrait m'arriver. Tu te rends compte, je baisse la tête, moi qui ne le fais jamais. Et qu'est-ce que je vois devant moi, déplié, tout neuf, vivant, Molière. Molière, fais voir à Laurier Pérignon. Ah, ah non, c'est Pascal. Ah, j'arrivais pas à me décider, j'étais hypnotisée. J'avais honte de ma chance, quand je pense à tout le boulot que ça représente. Et puis je me suis dit, merde, j'ai renversé mon sac par terre et j'ai tout empoché. Et maintenant, la fête. Quoi? Mais oui, la fête. Regarde tout ce que j'ai acheté. Une bonne bouteille de bousy champanisé. Du chorizo pour moi, ne fais pas cette tête-là, je sais que tu l'aimes pas. De, bien que ça n'aille pas avec ton champagne, du cassoulet à noix. Des saucisses cocktail. Des olives noires, des olives vertes. Du, des tas de moutarde, au citron, au madère, à l'estragon, au poivre gris. Et des grillades au cognac. C'est tout. Non, j'ai aussi ton fil, tes aiguilles, tes tas. Et je suis passée à la pharmacie. Comme tu vois, j'ai gardé tous mes esprits. D'abord ton champagne rosé, je ne le boirai pas, j'ai horreur des mélanges. Bon, je le boirai là. Le cassoulet, ça n'est bon que gratiné, nous n'avons pas de four. Mais il est en boîte.
Quant à ton chapelet de moutarde, je te rappelle qu'il nous en reste 12 pots. Achetés avec l'héritage de ta grand-mère, celle qui est morte au Venezuela. Pourquoi tu es si méchante? Écoute, vraiment, tu as un crâne d'oiseau. Change ton registre, moi j'arrive plus à te suivre. En 5 minutes, tu m'as fait le numéro de la comédienne, le numéro de la midinette qui trouve un gros billet, celui de la petite bourgeoise gourmande, celui de la grande amie attentionnée. À quoi faut-il croire? Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Ramasser 500 balles. Crier au miracle, vous trouvez du boulot et des rôles. Tu m'as même pas dit un mot de tes rendez-vous. C'est raté. Et ta pièce qui s'est subitement arrêtée, pourquoi? Elle s'est pas arrêtée, mais je m'en fous qu'on m'ait virée. Je sentais pas le rôle. Mais un rôle, ça se travaille. Mais tu avais pas le temps. Mais tu as vu les entrées du trimestre? Il faut bien que quelqu'un fasse marcher le bateau. Tu me montres les entrées, mais tu me montres pas les sorties. Oh. Tu me reproches mon champagne? Mais qui est-ce qui fait des reproches ici? Pourquoi des reproches? Oh, j'étais si contente. J'ai eu une journée impossible. Bon, et bien maintenant, tu coupes et tu couvres. Alors, tu couvres le monsieur que tu rencontres en voyage, tu couvres les ennuis, on sait ce que c'est, tu couvres aussi cette vieille dame-là, qui doit être Madame Durand, qui nous fait des ennuis d'argent. Oh, ben, c'est pas pour tout de suite. Pour un retard, c'est le loyer. Ah, ce monsieur, il va t'écrire. Oh, puis ça, ben, finalement, tu vois, ça s'arrange. C'est plutôt une appréhension. Tiens, tu couvres aussi ce coup-là, qu'on voit ce qui se passe. Oh, ben c'est pas bon. Oh, ben alors tu vas me la recommencer. Hein? Ah non. Les cartes, c'est très sérieux. Oh. Jamais deux fois en suivant. Tu n'as plus l'air d'y croire. Ben alors, va me faire une citronnade. Oui, oui. Tu veux? Oui, bien sûr. Si je dois vous le dire, Madame Durand n'a pas toujours été Madame Durand. Il s'en est passé des choses ici même, avant qu'elle ne monte à l'étage supérieur des réceptions mondaines, je dirais même plus, qui intéressait la brigade mondaine. Ah. Mon prédécesseur a tout fait pour les préserver, il n'y a pas d'autre mot. Il faut bien que fortune se passe, mais un jour il est parti, en vacances, 3 mois. L'Afrique. Quand il est revenu, ils étaient tous atteints. Je débutais, je n'ai pu sauver que Madame Durand. Tous les autres sont morts, dans des souffrances horribles. Pacifique, galopante. Célébrons, je préparez-moi une grande cuillère, une serviette fine et une cuvette. Supprimez la cuvette. Désolé de vous dire ça, mais il faudra me régler l'arriéré parce que c'est plus moi qui vais m'occuper de vous. Ça fait combien? 450 avec la livraison d'aujourd'hui. Et ben voilà, gardez tout. Qu'est-ce qui se passe? Vous quittez le métier? Je quitte tout, j'en ai marre. De la poisse, de la crasse de Paris, ça pue. On peut pas y vivre seul, on s'étourdit, puis un jour les rats vous bouffent le ventre. On crève ou on part? Moi, je pars. Vous n'avez personne? Personne qui compte. Et ailleurs? Là-bas, il y a du soleil, deux océans, des femmes, une vie différente. Vous croyez? J'ai vu passer, dans le bleu ciel, une demi-douzaine de soleils. Et c'était vraiment sensationnel. J'ai vu des sourires de femmes qui se foutaient de bien des drames. Et dans leurs yeux dansaient des femmes.
et dans leurs yeux dansaient des larmes. J'ai connu des chansons d'Afrique, des airs d'adieu mélancoliques, des complaintes aux airs de panique. J'ai connu des lèvres douces, des cheveux aux odeurs de mousse, et des fleurs d'amour par secousse, et des fleurs d'amour par secousse. J'ai rêvé des rêves de fantaisie, des musiques pleines de poésie, des sambas notés dans la griserie. J'ai rêvé de filles tendres, couleur de suie, couleur de cendre, fille noire appelée Cassandre, fille noire appelée Cassandre, fille volage ou fille sage, elles m'ont toutes mises en cage, elles m'ont toutes mises en cage. Au revoir, madame Hélène. À votre bon passant, vous pourrez lui dire de diminuer les commandes de moitié. Il suffit de se regarder descendre du mois de janvier afin d'étendre de bras blancs en cuisses d'ambre, de vivre dans le sommeil comme au plus curieux des réveils, rêver la saison des soleils, rêver la saison des soleils. Ah, déjà ? C'est une mauvaise grippe. Vous pouvez remballer tout ça. Je lui ai prescrit des antibiotiques. Antibiotiques ou pilules ? Ce ne sont pas des pilules, ce ne sont pas des piqûres, ce sont des gélules. De toutes les ingrédients. Oh, que faire, que faire ? Nous ne sommes pas organisés. Vous voyez, je ne peux pas sortir, nous nous faisons livrer. Attendez. Ce sera suffisant pour la nuit. Vous avez assez de citron ? Oh, ça, ça ne manque pas. Vous connaissez un bon titre de musique pop ? De l'électrique, c'est pour mon fils. Ah, moi, j'aimais bien Sinatra, Stranger in the Night. Ça n'a rien à voir. Vous me devez 45 francs. Sonia ! Qu'est-ce que tu as fait du billet de 500 francs ? Ce n'est pas la peine de chercher. Je n'ai pas le change, vous me paierez une autre fois. Salut ! Salut ! On frappe à ta porte et tu n'entends pas. Hein ? J'ai tellement bien fait de ne pas prendre les antibiotiques. J'ai entendu Madame Durand dans la cour. C'est une intoxication au fluor. Il y a des émanations dans l'immeuble, des tas de gens sont atteints. Tu vas être renseignée très vite, s'il te plaît. Désolé de vous réveiller si tôt, mais je prends l'avion pour San Francisco dans une heure. C'est intoxiqué ? Non, rien, c'est un peu d'herbe. C'est pas le fluor ? Pardon. Sonia m'a dit qu'il y avait une épidémie de fluor dans le quartier. Elle est malade ? Plus de 40. Je veux lui lire. Évidemment. Oui. Oh, mais vous n'êtes pas revenu ? Non, c'est pour vous. Je pars pour toujours, un petit dédommagement. Mais nous ne sommes pas des mendiants. Vous le voulez ou vous le voulez pas ? Je ne l'ai pas gagné. Mais moi non plus, je l'ai emprunté. Eh bien, rendez-le ou gardez-le. Pour vos chimères. Si d'abord vous avez besoin d'argent, envoyez-moi une carte postale. Ouais, merci. C'est bon à savoir. Ma chérie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es en plein délire. Elle dort. Que je te plains de tant de fidélité. Mais non, tu es folle. Que je le plains. Qu'est-ce que tu dis ? Madame méritait plus de prospérité. Elle délire. Que je le plains, elle le plaignait plus. Voilà, voilà. On a voulu. Oui, attends. Cette prompte retraite me laisse, je l'avoue, une douleur secrète. Je l'aurais retenue. Qui, moi, le retenir ? J'en dois perdre plutôt jusqu'aux souvenirs. Tu veux donc que je flatte une ardeur insensée ?
Titus n'a point encore expliqué sa pensée. Rome vous voit, madame, avec des yeux jaloux. La rigueur de ses lois m'épouvante pour vous. L'hymen chez les Romains n'admet qu'une romaine. Rome est tous les rois et Bérénice est reine. Le temps n'est plus Phénice où je pouvais trembler. Titus m'aime, il peut tout. Il n'a plus qu'à parler. Il verra le Sénat m'apporter ses hommages et le peuple de fleurs couronner ses images. De cette nuit, Phénice, as-tu vu la splendeur? Tes yeux ne sont-ils pas tout pleins de sa grandeur? Ces flambeaux, ce bûcher, cette nuit enflammée, ces aigles, ces faisceaux, ce peuple, cette armée, cette foule de rois, ces consuls, ce sénat qui tous, de mon amant, empruntaient leur éclat, cette pourpre, cet or que rehaussait sa gloire. Et ses lauriers encore témoins de sa victoire. Tous ses yeux qu'on voyait venir de toutes parts, confondre sur lui seul leurs avides regards. Ce port majestueux, cette douce, ciel, avec quel respect et quelle complaisance tous les cœurs en secret l'assuraient de leur foi. De fidélité, madame méritait plus de prospérité. Ne le plaignez-vous pas? Cette pompe de retraite me laisse, je l'avoue, une douleur secrète. Tu m'as bien fait rire l'autre nuit, avec ta Bérénice et ton fluor. Mais enfin, j'ai pas rêvé. Qu'est-ce que c'est que le fluor? En tout cas, ça prouve que les gens qui délirent, on n'en tient pas compte. Comment on n'en tient pas compte? Non, ils ne sont pas crispés. Ils ne font pas vrai parce qu'ils n'exagèrent pas. Ils n'ont pas de gestes loufoques. À ta scène de concours d'entrée au conservatoire. Ce sang, tout ce sang. Heureusement, j'ai fait des progrès. Que tu dis? Arrête de dire, salope. Travaille un peu. C'est pas dans la poche, Andromaque. Tu te rappelles, Chantal? Qui s'obstinait à passer à Agrippine alors qu'elle n'arrivait pas à dire le petit chat est mort. Je veux que mon fils fasse ce que j'exige de lui. Elle a été reçue. Avec ses cuisses. Sous le pommeski. Tu sais ce qu'elle est devenue? Non. Elle a épousé un parfum. Une bonne bouquet. Et sa copine, la grande rose. Myriam. Hollywood. Hollywood? Comme c'est la riste. Il reste pas grand monde, notre petit groupe. Si, j'ai un. Mais non, il a pas une agence. Il avait pu le faire rire le jour où, à une répétition, il ajoutait par devant, par derrière, à chacune de tes répliques. Ah, il était drôle. Devant, il aurait tué. Par derrière. Un que tu n'aurais pas tué, c'est le petit Robert. Un, deux, trois, quatre. Qu'est-ce qu'il était mignon. Il a épousé Martine. Eh ben, voilà une décasée. Elle qui était si sophistiquée, elle a 8 marmots et elle vend des casseroles avant brochis dans le Nord. Quelle horreur. Ah bah dis donc, il n'est pas gay notre inventaire. André est au PTT, Jean-Claude est devenu critique, Jean-Loup vend des voitures. Dis donc, il ne fait pas un petit peu frais pour ta grippe? Et frais. C'est pas notre époque, ma chérie. Tu veux dire Lison, peut-être? Oui. Eh bien, elle, c'est extraordinaire. Tu sais pas? Non. Figure-toi qu'elle a rencontré un type riche, jeune et beau qui était amoureux d'elle. Amoureux d'elle? Non, personne n'est parfait. Il l'amène autour du monde 4 ans, elle m'écrit, une paratyphoïne au Venezuela, une candidose à San Francisco, une angine de poitrine au Brésil, sans compter une étrange maladie contactée à... Contractée. Comment? Contractée. Contractée, dans une maison de jeu à Hong Kong. Alors le mec l'a virée.
Elle ne faisait plus de poids. Ouais. Exactement. Seulement à Berlin, où il avait abandonné, elle tombe sur un impresario qui cherchait un mannequin, un style grande fille, maigre. Il la voit, il l'engage. Carrière internationale, voyage, elle gagne un blé fou, se met à boire, regrossit, retrouve son ancien amant et abandonne sa carrière. Depuis, il file le parfait amour dans une île privée des Açores. Eh ben dis donc, c'est pas mal pour la fine charcutier. En somme, il reste plus que moi. De quoi te plains-tu? Ça fait moins de concurrence. Ça prouve que la vocation, ça existe. La quoi? La vocation. C'est important pour moi de jouer. Tiens-toi vite, c'est le docteur. Je me suis garé à l'étage au-dessus et une certaine Madame Durand m'a garanti que je trouverais ici Mademoiselle Hélène Surgère. C'est bien vous. Que je sache. Et moi, j'en suis sûr. Jean-Michel Moncorgé. C'est un pseudonyme. Mais là n'est pas la question. J'ai voulu vous voir en personne, quoique en l'occurrence, j'eusse pu vous aviser par voie épistolaire. En fait, monsieur. Vous êtes notre employé depuis bientôt 8 ans. Vos services nous ont comblés, je m'empresse de le dire. Vous ne copiez pas, vous calligraphiez. C'est pourquoi nous tolérions certains retards. Justement, je finissais. Asseyez-vous, j'en ai pour quelques minutes. Je veux bien m'asseoir, mais laissez. Tout ce beau travail aura été, comment dirais-je, vain. Vain ? Vain, madame. Nous avons dû mettre la clé sous la porte, les petits métiers se perdent. Du jour au lendemain ? L'inflation. Nous avons dû liquider. Tout est lié. Le dollar, c'est du pétrole, le pétrole, c'est l'énergie, l'énergie, c'est les usines, c'est le papier, et le papier, sont nos enveloppes, nos chères enveloppes. Crise mondiale, chère petite madame. L'IP, le Koweït, l'Angleterre, Stromboli, les spaghettis, la Fiat, Kadhafi, la hausse des loyers, les surfaces corrigées, le crédit. Remettez-vous, monsieur, un petit peu de champagne. Ah, il est frais. Merci, c'est pas de refus. Voyez-vous, je me faisais un tel souci pour cette démarche, c'est que je puis vous l'avouer maintenant que vous n'êtes plus notre employé. J'ai toujours eu un petit faible pour vous. Mais vous ne me connaissez pas? Mais si, vous ne vous en doutiez pas, mais nous faisions faire des études en graphologie pour chacun de nos candidats. Et je sais sur vous des choses. En cachette, je fourrais mon nez dans les dossiers. Tenez, vous ressemblez à votre écriture. C'est bon, monsieur, vous devenez un convenant. J'y peux rien, ce genre de choses me fascine. Ah oui. Voulez-vous que je vous fasse les cartes ou les lignes de la main? La gauche. Comme d'habitude. Ah. Eh bien, voilà une main qui a le caractère. Un petit peu de mollesse, un petit peu de paresse, une belle ligne de vie, une bonne santé. Sentiment. Ça fait 45 francs. 45 francs? Mais à titre personnel, alors. Parce que vous savez, il n'y aura pas de dédommagement. À part le petit stock d'enveloppes que nous n'aurons pas le front de vous reprendre, et ce petit supplément que nous nous permettons de vous offrir. Au revoir, monsieur. Mes hommages, madame. Mes hommages, désolé pour cette perte cruelle. Une perte? Quelle perte? Comment va la madame? Elle est morte. Merde. Puis-je vous être utile? Il est trop tard. Excusez-moi, mais je dois finir de faire part. Avec des enveloppes blanches, c'est étrange. Ah, si vous croyez que nous avons les moyens, vous comprendrez qu'après ça, vous n'aurez plus notre... Évidemment. C'était le docteur? Oui. Tu l'as payé? Oui. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Que tu étais morte. Ah. Où allez-vous? Ça ne vous suffit pas de me voir ainsi et pleurer, humilié? Ce n'est pas la jalousie qui m'a poussée à venir, ni même la sainte possession. J'ai vu mourir mon mari, c'est la seule personne qui comptait pour moi. Depuis, je me traîne, je suis sans désir. Heureusement, il m'a laissé un fils. Un jour, peut-être, vous en aurez un aussi. Serait-ce à quel point on peut aimer un fils? J'espère en tout cas que vous ne connaîtrez jamais comme moi aujourd'hui l'inquiétude, l'angoisse. On veut le prendre, me l'enlever. Rappelez-vous, lorsque l'on en voulait à votre mère,
J'ai réussi à convaincre mon mari de voler à son secours. Aujourd'hui, faites-en autant auprès de votre Jules. Que peut-il craindre d'un enfant sans père? Il peut être une menace pour lui. Sur les soins de sa mère, on peut s'en assurer. Et mon fils, avec lui, n'apprendra qu'à pleurer. Sonia, c'était comment? Écoute, un exercice comme ça, ça n'a son utilité qu'à condition de trouver une équivalence. Hein. Ça, c'est une scène qui est très courte, qui vient en plein milieu de pièce, au moment où Andromaque est en pleine panique. Jusqu'à présent, elle tenait la situation en main, Pyrrhus, elle l'avait au bout de sa ligne, tout marchait à peu près bien, elle arrivait à sauver son fils, tout d'un coup, ça y est, on le tue, et on le tue dans la journée. Tout de suite. Tu comprends? Voilà une femme à qui on a tout enlevé, tout, absolument tout. Il lui reste qu'une chose d'un amour qui a été immense, c'est un enfant. Tu me dis, il m'a donné un fils. Un fils! Quelque chose de... En plus, on est en pleine dimension au-dessus. Alors, si tu te sers de tes mots à toi, il faut que tu mettes de la... une force terrible. Dans cette scène, elle sauve la vie de son enfant. Tu comprends? Il faut rentrer en... Elle meurt si elle ne le sauve pas. Et mourir, elle s'en fout d'ailleurs. Parce que mourir, elle veut bien mourir. Je sais. Tu comprends? Oui. Je sais pas, évidemment, personne n'est jamais dans une situation de tragédie. Et tu n'as pas vécu ça. En plus, elle vient voir une femme qui est une rivale, dont elle dépend complètement. Or, elle sait très bien que cette femme-là est, automatiquement. Elle joue une partie de dés qui est, crucial, c'est même pas le mot. Il faut que tu t'arraches le ventre. Un enfant, ça sort d'un ventre. Il faut que tu t'arraches. Mais je le sais. Tu crois que je ne sais pas ce que c'est qu'un enfant? Moi qui en ai perdu un. Oh, Hélène. Il fallait pas. Je l'ai tenu dans mon ventre pendant de longs mois, pendant de longs jours. Je l'ai attendu. Tu sais pas ce que c'est. Je n'ai vécu que pour lui. Chaque espoir, chaque matin était un espoir. Chaque jour était une joie. Et puis un jour, au moment où je l'attendais, au moment où tout s'éclairait pour moi, il est parti, Hélène. Eh ben parti. Voilà, c'est ça. Andromaque, c'est ça. Sonia, ah, c'est vous, entrez. Votre paquet est sur la table.
dans 3 jours à Lille. Un récital de poésie au Théâtre populaire des Flandres. Je voudrais que le repas soit prêt. J'ai réussi une crème au chocolat. Elle est belle, hein? Elle vous plaît? Bah, attention, vous allez l'abîmer. Ces souvenirs. C'est votre fille qui va vivre maintenant. Regardez l'effet qu'elle fait. Elle est partie. Ils sont partis. Tous les deux. Je suis rentrée des commissions, il n'y avait plus personne. Il a pris son argent, il a emmené sa fille. Même pas une lettre. C'est arrivé quand? Il y a 3 jours. J'ai reçu un mot de la petite ce matin. C'est fini. Ils ne reviendront plus. Je n'y comprends rien. Je faisais tout pour le rendre heureux, mon mari. J'étais une bonne mère pour ma fille, enfin. Je crois. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais même pas où ils sont. La carte postale était du Loiret, mais ça veut rien dire. Hein? Et vous êtes sûre que ce n'est pas une blague? Oh, c'est pas son genre. Tout le monde le trouvait trop sérieux. Et il n'est pas parti avec une femme. Oh, ça, je le sais, la petite ne l'aurait pas suivi. C'est tout de même bizarre. Ils n'ont rien emporté. Martine a laissé ses poupées. Cette nuit, j'ai dormi dans sa chambre et j'ai fait un rêve. Vous croyez au rêve, Madame Hélène? C'était mon mari. Et il conduisait une grosse moto. Quelqu'un accroché derrière lui. J'ai cru que c'était moi. Moi, à l'âge où il m'avait connue. Et puis, il m'a semblé reconnaître ma fille. Et la moto a dérapé. Et alors j'ai vu que c'était une grande poupée. Et elle disait, maman, maman. Comme disent les poupées. Je me suis réveillée croyant que Martine était là. Mais non. J'avais la poupée entre les mains. Et je lui avais arraché la tête. Ça ne veut rien dire, ce rêve. Franchement, Madame Hélène, vous croyez qu'une femme pourrait refaire sa vie? Bien sûr. Vous n'avez qu'à mettre une petite annonce. Mais je ne veux pas divorcer, je ne sais même pas où il est. Et puis je ne veux pas. Je l'aime encore. Il va revenir. Vous pensez ça? Oh, ça s'est déjà vu. Ils croient comme ça, trouver le bonheur ailleurs et puis... ils reviennent dans leurs pantoufles. Vous allez rester avec nous. Nous dînerons. Sonia ne va plus tarder maintenant. Oh, c'est vrai que c'est ce soir sa télé. Ah, c'est ce soir, je l'avais oublié. Oh, la province est infecte, je l'avais oublié. Et autant de monde qu'à Paris avec aussi peu d'esprit. Bonjour, madame. Vous avez une poussière dans l'œil? Mais non, c'est son mari. Son mari a une poussière dans l'œil? Il est parti. Pour longtemps? Vous m'excuserez, madame Hélène. C'était gentil, votre invitation, mais je ne voudrais pas troubler votre petite fête. J'ai envie d'être un peu seule. Mais j'essaierai de regarder votre émission, madame Sonia. Au revoir. Ne vous dérangez pas. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. La télé. La télé? Quelle télé? Et hop, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu aurais pu au moins me demander mon avis. On s'est toujours débrouillé jusqu'à présent. Que veux-tu, j'avais plus les moyens, c'était elle ou moi. Et c'est tout ce qu'il y a eu, une seule caisse. Nous n'avions qu'une seule chaîne. Rappelle-toi l'année dernière, tu as assez râlé quand ton feuilleton passait sur la seconde. Pour te voir aussi peu souvent, ça devenait du luxe. Du luxe dans notre situation. Pour une fois, j'avais un beau rôle. Comment je vais faire maintenant pour me voir? Engueule-moi, mais fais pas la tête. Je ne me supporte pas. Tu peux aller au café chez Victor?
C'est un admirateur, non? C'est une idée. Mais je me dépêche parce que c'est l'heure du dîner. Oh, tu dis ça parce que tu es fâchée. Non, on ne peut pas, c'est pas si bon de déjeuner. T'es sûre que tu veux pas les miennes en plus, non? Non, alors prenez-moi deux. Méchante. Chaud, s'il vous plaît. Tout de suite, madame Sagnère. Monsieur Victor, vous savez ce qu'il y a à la télé ce soir? Oh, le match de rugby. Ah, j'aime pas ça. C'est trop brutal. Ma femme et moi n'aiment que le tennis. Quand la balle vole, on dirait un oiseau. Et ça, au moins, c'est un sport d'homme. C'est parce que j'ai un petit truc qui passe sur la première ce soir. Oh, bon, je vais vous brancher. Tu voulais absolument me voir ici. Merde, c'est un générique. Je ne tenais pas à revoir la maison. Ça a changé, tu sais. La vie aussi a changé. Tout a changé. Même toi. Tu portes un air de coupable sur le visage. Tu n'as pas l'air heureuse. Tu étais heureuse tout ce temps. Le bonheur, ça ne s'invente pas. Ça ne se ramasse pas au coin d'une rue. Ça ne s'improvise pas dans des fredaines. Ça s'entretient. On doit le préserver. Et beaucoup l'accepter. Tu vas pas me refaire la morale. Je ne te l'ai jamais faite. J'aurais dû, mais je ne savais pas. Maintenant, bien sûr, j'en ai pris l'habitude. Et une fille à élever, ça met du plomb dans la tête. J'aimerais la revoir. Mais de quel droit? Tu nous as quittés, elle avait 10 ans. Elle t'a réclamé pendant les 3 premières années. Mais je vous ai écrit de San Francisco. Tu t'es pas imaginé que j'allais lui montrer tes lettres? Elle t'a oublié maintenant. C'est mieux comme ça. Tu es dur. Tu as toujours été dur. Tu as toujours été frivole. Frivole et fragile. Marcel, pourquoi tu t'es toujours appelé Victor? J'espère que le soleil t'a fait du bien dans tes voyages. Tu tousses encore? Oui, un peu, parfois, mais ce n'est rien. Pourtant, l'air de Paris ne me convient pas. Alors va-t'en. Je te préviens tout de suite, je ne te reprendrai pas. Même pour une nuit. C'est vous, là? Sur l'écran, c'est vous? Tu vas pas continuer à vivre ça. C'est une rediffusion alors? Oui, oui, c'est vous. Elle m'a fait longtemps. Elle aussi. Vous avez tourné ça il y a longtemps, je l'ai déjà vu. Je ne vivrai pas seul. Je vais me remarier. Je ne veux pas divorcer. Quoi crois-tu que j'ai accepté de te revoir? Hélène! Hélène! Oh, madame Durand, vous m'avez fait peur. Tais-toi donc, imbécile, elle est morte. Ne reste pas comme ça. Il faut descendre au bistrot, appeler le docteur. Dis-lui qu'il fasse vite. C'est déjà fini ta télé? Non, je t'expliquerai. Ce que tu fais là, c'est la pire de la vie. Tu m'y as contraint. Je ne sais pas si c'est de la lâcheté ou de la dignité, mais je n'avais pas d'autre solution. Oui, j'ai dit à ta fille que tu étais morte. Martine me reconnaîtra. Martine vous reconnaîtra. Le vice t'a marqué. On ne se vautre pas impunément dans les orgies sans qu'il reste quelque chose. Dans les yeux, autour des lèvres, sur les mains. Tu n'es qu'une caricature souillée de la femme que nous avons aimée. Imbécile. Ce sont les marques du plaisir. Je ne connais pas le plus noble. Je ne devrais le téléphone, monsieur Jamais. Et je souhaite à ma fille qu'elle les connaisse aussi. Oh, c'est chouette ce que vous faites, madame Sonia. J'aime.
Tu as du courage maintenant. Il y a quelque chose qui va pas. Hein. Madame Durand est morte. Ah nom de Dieu, on va se taper un calvin. Mon pauvre Julien, tu n'as jamais su garder une femme, même pas ta fille. C'en est trop. Tu as enfin pris une décision. Qu'est-ce que tu as? Tu étais si mauvaise? Non. Tu as prévenu le docteur? Je fais toujours tout ce que tu me demandes. Alors viens voir. Viens. Ça, par exemple. Elle vient de mourir. Dois-je vous croire cette fois? Permettez-moi de vous dire, madame, que vous êtes une belle salope. Docteur, dans la maison d'une morte. Oh, celle-là, elle en a vu d'autres. Si vous n'aviez pas d'argent, il fallait me le dire. Je me suis rendu compte que mon besoin de jouer la comédie n'avait rien à voir avec le talent. Que c'était même pas un problème de comédienne. Quand Julien mettait en scène, il utilisait les failles des comédiens. Il profitait de la faiblesse pour rendre ses personnages plus humains. Et bien ça, ça m'a toujours échappé. Je n'ai jamais compris par quelle magie il tirait de moi cette force ou cet orgueil. De moi, tu te rends compte? Avec mon pauvre petit crâne d'oiseau. Et moi qui n'ai jamais rien compris à rien, devant la rampe, je devenais belle. Intelligente, presque. Et c'est ça qui me rendait différente. Heureuse. Et je recommençais à jouer la comédie pour retrouver cet état. La longue, je m'étais imaginé que seul le théâtre pouvait m'y amener. L'autre soir à Lille, après mon récital raté, je me suis promenée une partie de la nuit. Je m'arrêtais de temps en temps dans un bar pour boire un vin chaud ou un grog. Je me suis retrouvée au bord du canal. Oh, je veux dire, je suis restée là quelques heures sans penser à rien. Au petit matin, ça y était. J'étais dans l'état où Julien savait me conduire. J'étais bien. Aucune scène de théâtre au monde n'aurait pu m'apporter une telle sérénité. Parce que tu cherches des émotions ou des sensations? Le théâtre, c'est comme l'amour. Il ne s'agit pas de se faire plaisir, mais de rejoindre avec précision et générosité un public infantile et femelle et d'en faire un homme. Julien dirait, la métaphore est curieuse. Je ne sais pas pourquoi je dis ça aujourd'hui. Tu m'as agacé avec ton examen de conscience? De toute façon, ça ne me concerne plus. Julien faisait la même chose avec moi, évidemment. Mais la fascination n'a pas duré. C'est qu'un jour, il m'a demandé de mettre des vêtements à toi pour coucher avec lui. Enfin, quand je dis coucher. En 5 ans, il a dû me prendre une vingtaine de fois. Tu
Tu te souviens comment il se masturbait? Il tirait la langue, fermait les yeux à moitié, crispait sa mâchoire. Il geignait doucement en serrant son appendice ventral contre lui. Il avait une toute petite bite. Je sais pas pourquoi les hommes se préoccupent tellement de ça. Qu'est-ce que ça peut faire? Que ce soit long ou court, gros ou mince. La fermeté encore, je veux bien. Ou la bonne tenue. Chaque fois que j'ai rencontré une de ces énormités, j'ai fui, madame. Horrifiée. Je suis toute petite, moi. Avec Julien, tu t'es servie. C'était petit, mais ça vendait fort. Chartière. Puritaine. Tu avais dû me le dire quand tu me l'as présenté. C'est peut-être pour ça que je suis devenue amoureuse de lui. Dis, tu les avais mis, mes vêtements? Bien sûr. Ça m'a semblé naturel. Même une fois, il a voulu qu'on aille te chercher. Pour être avec nous. Mais on t'a pas trouvé. Il me faisait mettre debout sur le lit, les jambes écartées. Il éclairait mon sexe avec une lampe. Et tu le faisais? Je faisais toujours tout ce qu'il me demandait. Moi, j'étais prise d'un tel fou rire que je ne tenais plus debout. Je me suis assise en tailleur sur le lit et je riais, comme une folle. Et lui, il pleurait de rage. Je lui ai dit, si c'est ça que tu aimes, autant divorcer tout de suite. Et après, ce jour-là, je le trompais. Je le trompais, je lui disais, je pleurais un peu, et hop, il me sautait dessus. Et puis j'en ai eu marre, de mettre cette tête hors de l'eau, pour rien, finalement. Il avait du talent. Il avait le sens de l'opportunité. Le sac était vide, je te l'affirme, du chiquet. Pourquoi tu ne fais plus d'amour? Parce que j'en ai plus envie. Et les femmes? Ouf. J'ai essayé, remarque. Pour ne pas mourir idiote. Et puis aussi parce que j'étais intoxiquée par les fantasmes de Julien. Hein. J'aime pas ça. Les seins ont une odeur trop fade. Je trouve pas qu'il fait un peu sombre ici. Allume. C'est beau, un homme, quand il est grand et sec. Ça sent le poivre et la cannelle. Enfin, tout ça, ça ne me concerne plus. Comme le théâtre. Peut-être bêtement une question de glandes. Mais elles sont encore belles, tes glandes, stupide. Je suis vieille, vieille. Ah, dis donc, je peux être d'accord, moi. Tu es née avant moi, mais tu es plus jeune puisque toi. Tu continues? Ah, pour ça, oui. Je peux pas vivre sans. Dans le métro, dans la rue, au bistrot, la chasse sans plaisir. Mais sans honte non plus. Ils peuvent être cons, les hommes, quelquefois. Toujours. Oui, toujours, tu as raison. Ils ne voient jamais rien. Enfin, c'est un monde. Ils peuvent être grands, les hommes. Je reste la femme de Julien. Je ne m'arrêterai jamais, je te le jure. Ma belle affaire. Toi non plus, tu t'en marieras pas. Moi non plus, je ne m'en marierai pas. Ma belle affaire. Je ne me remarierai pas, je ne me remarierai pas. D'abord les hommes, on s'en fout. On les emmerde. Absolument.
quelqu'un? Moi? Qu'est-ce que tu veux que je l'attende? Vas-y, oh, vite. Vous êtes Sonia Savianche? Oui. Je suis Lucien. Le numéro 270. Oh là là. Entrez, c'est bien nous. Je suis un peu honteux de ne venir que maintenant, après un si long silence. De passage à Paris, j'ai voulu vous rencontrer. Vous êtes sans doute comme moi un peu gêné d'avoir dû utiliser des annonces matrimoniales. Je peux entrer? Mais pourquoi pas? Je vous en prie. Pardon. Aya, ton amoureux, sois sage. D'abord, je crois qu'il faut dire la vérité. Ne pas hésiter à se montrer comme on est, à l'intérieur, le pourquoi des choses. Je vous ai menti dans mes lettres, comme vous voyez, je n'ai pas la cinquantaine. J'espère que vous n'éprouverez aucune répugnance à entendre ce que je vais dire. Je ne ressens de passion que pour les femmes qui me rappellent ma mère. Et il se trouve que vous lui ressemblez. Moi ? Oui. Vous n'avez pas une passion calme, il y a du désir dedans. Vous avez été si franche dans vos lettres que je me dois de vous préciser la teneur de mes intentions. Je hais le mensonge, je vous l'ai dit. Si ma déviation vous répugne, vous me le dites franchement et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. En revanche, si sincèrement, vous aussi, comme je le devine en vous voyant, toutes les deux d'ailleurs, vous vous sentez concerné par une passion de cet ordre, vous sentant mère et aimée, douce et dominatrice, bref, désirant à la fois un fils et un amant, alors là, je me dirais que j'ai frappé à la bonne porte. Tranquillisez-vous, monsieur. J'avais compris tout cela en lisant vos lettres. Je dois vous préciser que je possède actuellement quelque argent où je pourrais subvenir aux besoins de Sonia le temps d'une expérience préliminaire au cours de laquelle l'un l'autre pourrait se tester. Cette franchise me convient, monsieur. Elle nous convient. Pardonnez à Sonia. Un chagrin immense vient de bouleverser une parente assassinée là-haut. Récemment? Ce matin. Ce matin et le corps? Ce matin, l'enterrement, l'interrogatoire ensuite. C'est beaucoup. Je ne vous le fais pas dire. Je comprends. Non, attendez. L'intimité que je partage avec Sonia m'autorise à discuter votre proposition. L'intimité... Oui, je suis sa sœur. Quelque chose comme ça. Est-ce à dire que vous accepteriez de vous mêler physiquement? Si je vous agrée, avec grand plaisir. Mais l'argent dont vous vouliez disposer sera-t-il maintenant suffisant? D'ailleurs, n'est-il pas trop tard pour choisir? Ma perversité est innocente et je crains que mes habitudes ne dépassent mes désirs. Nous vous donnerons de nouvelles habitudes. Il suffira que vous fassiez confiance à notre habileté. Avez-vous besoin d'accessoires? Non, mais une certaine mise en scène ne me déplairait pas. Vous pourriez être la bonne de Sonia? Avec un tablier et un trousseau de clés. Non. Versez pas dans la caricature. Si vous avez d'autres fétiches. Non, je voyais pas ça. Non, je voyais une familiarité commune, de la chaleur, de la tendresse. L'amour.
Donc vous y êtes, quelle exigence. Mais c'est possible, tout dépend du prix que vous voulez mettre. Nous ne nous entendrons pas, je traîne. L'illusion peut vous satisfaire, plus que la réalité. Pour distance, madame. Le petit enfant n'aime pas qu'on me touche. Il faut faire faire sa toilette au petit enfant. Vous me prenez, madame. Laissez-vous faire. Nous vous ferons un prix. Vous êtes grotesque, rendez-moi ça. 500 francs. Vous estimiez si peu, Sonia. Vous me prenez, je vous assure. Assez de comédie. Laissez-vous faire. Nous vous passerons tous vos caprices. Madame. Ce n'est pas ce que vous aimez, le sein maternel. Madame, ce rôle n'est pas pour vous, je vous en prie. Ne sois pas idiot, viens. Viens. Allons, viens. Là. Non. Non, non. Non. Non, arrêtez, vous n'avez pas le droit de vous amuser avec moi comme ça. Ah, Hélène, il va lui marcher dessus. J'ai envie, moi aussi. Ne pense pas au fric. Tu n'en es pas à 500 balles. Oh, mais c'est une autre fois. Oh, il a fait le prénom. Hey. Sonia, il veut plus me rendre mon couteau. Hey. Tu es bien avancé maintenant. Hey. Qu'est-ce qu'il y a? Hé, hey. Hé. Mais qu'est-ce que tu essaies de faire? C'est la dernière. Il veut aussi des raisins secs. Il n'y a plus rien dans la carte de Mme Durand. Plus rien chez elle non plus. Et l'argent, tout l'argent, qu'est-ce que tu en as fait? Il n'y en a plus depuis bonne lurette. Plus d'argent, plus de crédit, plus rien. Viens, faut enlever ça. Non. Oui, oui. Non. Assieds-toi. Thank you.
trichent leur âge, trichent leurs yeux. Elle se farde à qui mieux mieux. Triste leur âge, triste leurs yeux. Avec des regards de banlieue, trichent leur âge, trichent leurs yeux. Et des bottines de 20 lieues. Triste leur âge, triste leurs yeux. Prenant l'eau fraîche pour le feu, trichent leur âge, trichent leurs yeux. Font la navette deux par deux. Triste leur âge, triste leurs yeux. Et leurs œillades assassines. La 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 la. Pour peu qu'elles plaisent à un passant, trichent leur âge, trichent leur chant. Retrouvent leurs gestes d'enfant. Triste leur âge, triste leur chant. Et comme trois gouttes de sang, s'en va leur âge éperdument, s'en va leur âge éperdument, s'en va leur âge éperdument, éperdument. Bagaille dans le quartier. Les types se marrent et nous, pendant ce temps, tricotent pour rien. Mais on n'a plus le droit de gagner sa vie, il faut montrer votre blanche. Mais je veux pas te fâcher, mais c'est devenu difficile par ici. On a déjà du mal à la trentaine, alors les vieilles professionnelles, il y a longtemps qu'on s'est fait changer de quartier. On a faim. Donc, vous ayez faim ou soif, moi je m'en fous. Tiens, la 10 balles et sauvez-vous. Merci, madame. On suit sans fric à cette salope. On n'est pas descendu si bas, non? Oh, si vous avez les moyens, moi je m'en fous. Oh, non, mais pour qui vous vous prenez? Qu'est-ce qui vous plaît pas dans nos manières? On est belles, nous. On n'a pas besoin de perruques. On a vécu. Si savaient vos clients ce que le courant leur a apporté, vous n'aurez plus qu'à retourner en usine. L'amour, c'est la classe. C'est le théâtre. La fantaisie. Bon, rendez-moi ça, je crois que vous n'êtes pas des professionnels. Et je vous préviens, vous n'allez pas tarder à vous faire ramasser, hein. Mais pourquoi? Écoutez, c'est votre problème. Chacun a ses plaisirs, mais dégagez un peu la place. Au revoir, madame. Bonne baise, madame. Allez, viens, ben, je vais t'en faire gagner, moi, de l'argent. Triste leur âge, triste leurs yeux. Elle se barre d'un qui plus mieux. Mais cet enfant abandonné, mon mari qui m'a laissé. Oh,
s'agit, mais on ne bat pas une femme. En tout cas, pas en public. Et moi, je ne suis pas une femme, on m'a volée, monsieur. Juste retour des choses. Allons, ah, allons, frère. Police! Combien? Des anarchistes! Police! Alors les supermarchés, ça ne vous suffit plus! Police! Combien pour ces deux misérables bouteilles? Ça n'a rien à voir, ça ne doit pas être la première fois. Police! Mon mari me disait hier combien encore... Combien? Faut voir de quelles années elles étaient. Oh, vous laissez pas entuber. Elle doit trafiquer. C'est pas du bon. Goûtez. Ah non, non, non. Voilà, 50 francs et vous oubliez tout ça. Hmm? Je vais m'occuper de cette malheureuse. Bon, ça va, ça va. Écoutez-moi, même si vous croyez qu'il est trop tard, il faut toujours essayer de se rétablir. C'est une question de volonté et d'entraide. La rencontre d'amis vigilants, discrets, et d'une compétence au-dessus de tout éloge, fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Avant, j'étais un alcoolique de luxe. Déjeuner d'affaires, cocktails, collations diverses, l'apéritif de la mise en train, le whisky de la détente. Au début, tout va bien. Quelques douleurs à la tête, vite enrayées par la pharmacie. Plus rapidement, c'est la bouteille au bureau, dans la boîte à gants, dans la poche du veston. Ma première crise a été très, très agréable. C'était pendant les vacances sur une plage. Il y avait quatre soleils. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux vous aider. Je m'appelle Antonin Barrier et je suis un alcoolique anonyme. Meilleur vœu. Aucun cas n'est désespéré. Un de mes collègues m'a conduit chez eux, au AA. Alcoolique anonyme. Je l'ai entendu raconter son calvaire et j'ai tout compris. Aujourd'hui, grâce à l'association, grâce à ma régénération, grâce à ma régénération, j'occupe un poste important dans ma compagnie. Exportation de vins africains. Je me suis marié sans problème. Et j'ai deux enfants qui boivent du lait. Je voudrais que vous veniez avec moi toutes les deux pour retrouver le goût de la vie saine. Que vous voyez ces braves qui montent à la tribune et qui, au défi de toute pudeur, face au monde, crient « Je m'appelle un tel et je suis un alcoolique. » Venez. Ah, j'ai pas besoin d'aller là-bas, je peux vous le dire. Ici, moi. Je m'appelle Sonia Saviange et je suis alcoolique. Je m'appelle Sonia Saviange et je suis alcoolique. Je m'appelle Sonia Saviange et je suis alcoolique. Et je suis alcoolique. Je suis alcoolique. Oh oh oh. Sommeil, de l'eau, de l'alcool. Des piqûres, du sommeil, de l'eau, de l'alcool. La lumière, la nuit, le jour. Bien sûr, avec un peu d'argent, on pouvait avoir du vin par les infirmiers. Mais moi, je ne veux plus jamais ça. Plus jamais. Tu me le promets? Je vais m'occuper de toi. Je veux que tu sois belle. Je veux que tu sois gaie. Nous allons danser. Mais quoi? La valse.
qu'il est doux de danser la valse quand on n'a plus besoin d'aimer que les souvenirs nous dépassent que nul ne sait plus nous charmer vite avant la nuit ne passe, valsons sans le moindre regret. Qu'importe si le temps s'efface, nous saurons bien le retrouver. Et puis nous irons à la fête. Manger de la barbe à papa, le ciel au-dessus de nos têtes ne nous impressionnera pas. Je suis la femme de Julien. Le notaire m'a donné votre adresse. Julien est mort le mois dernier. Nous sommes ses seules héritières. Vous savez que sa fortune est considérable. Il l'a partagée équitablement entre nous trois. Je tenais à vous assurer de mon indifférence à ce propos. Je me doutais bien d'ailleurs qu'il prendrait cette décision. Cela lui paraissait plus spectaculaire que l'aide mensuelle prévue par les tribunaux. En quelque sorte, je venais vous annoncer une bonne nouvelle. Ce n'est pas tout. De ma propre initiative, je vous ai préparé une petite avance en liquide. Combien ? 4000 francs chacune. Vous voudrez bien me signer un petit reçu ? Maître Dutroux, que vous connaissez, il s'est occupé de vos divorces avec Julien. Attend à Nantes votre visite. Voici la convocation qu'il m'a chargé de vous remettre. Il vous proposera également l'acte de propriété d'un snack bar que Julien s'était offert et dont je ne veux pas m'embarrasser. Vous pourrez toujours en faire un café-théâtre. Nous nous serons vus très peu. Je quitte la France dans quelques heures. Et vous allez où ? À San Francisco, un vieux rêve. J'ai toujours voulu connaître l'Amérique. J'ai voulu toujours connaître les tropiques. Le désert au gratte-ciel de plastique. Le Mississippi tout mélancolique. La Californie et ses concours épiques. Les conserveries de sardines atomiques. Le Colorado et ses rocs érotiques. Et le Pacifique, océan politique. Hystérique, Amérique, Amérique, hystérique. Hystérique, Amérique. Happy End!
Bon. J'en ai assez. Ah. Hein? J'ai... On a bu. On est gavé. Maintenant... La fête. La fête. Attention. Tu veux du champagne? Mais oui, bien sûr. Bien. Merci, madame. Là. C'est pas beau, ça. Ah oui. Mmh. Ressentez, madame. À nous. À nous. Non, tu veux de la chantilly? Oui, oui. Tiens. Mmh. Mmh. Tu crois qu'elle est bonne? Mmh. Tiens. Mmh. Oh, on va faire Noël. Oui. Mmh. Oh, ben tu sais. Bon anniversaire! Merci. Tu vas voir. Réussir à chaque fois. Tu as mal? C'est rien, c'est passé. C'est passé? Okay. Bon. Attends, moi je veux que tu sois belle. Mmh. Là. Tu dois la maman, hein, tu vois? Mmh. Je peux t'aider? Non, non, laisse-moi. Mais c'est rien. C'est rien, ça va passer, voyons. Oh.